Aujourd'hui, je teste les spécialités marseillaises pour la première fois. Au menu, la bouillabaisse, l'épanisse, l'aioli et encore plus. Je suis à Marseille pour la première fois et c'est grâce à l'Office du tourisme de Marseille qui m'a invité. Un énorme merci à eux. J'ai fait du bateau pour visiter les îles marseillaises. J'ai visité le vieux port, le marché aux poissons et encore plus de belles choses. Et franchement, c'est Marseille, bébé. Je ne pouvais pas être à Marseille sans tester la fameuse bouillabaisse. Je me suis donné le défi d'en goûter une à 15 euros et une à 80 euros d'un restaurant gastronomique. Est-ce qu'il va y avoir une réelle différence? C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Histoire de s'ouvrir un peu l'appétit, on commence avec celle à 15 euros. J'ai la chance d'être avec Christian, le chef propriétaire de Bouillabaisse Turfu, qui va me faire découvrir aujourd'hui l'univers de la bouillabaisse. Je l'ai accompagné pendant ses achats au marché des poissons dans le Vieux-Port. On va découvrir ce que les pêcheurs ont pu amener ce jour-là. Selon la météo, selon la chance des pêcheurs, selon la saison, les poissons sont différents. Et moi, j'invente ma cuisine avec ce qu'il y a, quoi. Ensuite, on est allé dans son local pour voir comment il prépare sa fameuse spécialité. Christian m'a montré toutes les étapes de préparation de la bouillabaisse qui sont quand même plutôt complexes. En fait, dans la bouillabaisse, il y a la soupe de poisson, les poissons pochés, des croutons, des pommes de terre et puis la rouille. Commençons par la préparation du bouillon. Du fenouil, des oignons, de l'ail, carottes. Tu vas un peu tabasser le feu pour que ça grille. Puis après, je vais commencer à rajouter les poissons. Et c'est là où je vais rajouter un peu de tomates, des herbes, des épices et tout ça. Du coup, tout ça, ça va commencer à se dilater. Et là, je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure. Et je vais faire bouillir. Et ensuite, hop, je rajoute un peu d'eau. Hop, je refais bouillir. Du coup, je construis au fur et à mesure les goûts, les saveurs de cette façon. Et justement, c'est toi qui m'as appris la définition, l'origine du mot bouillabaisse, qui veut dire que tu fais bouillir et après, tu baisses le feu. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé, mais c'était intéressant. L'autre étape, ça va être de faire pocher tes poissons. Là, on a eu dorade royale et un marbré. Et puis moi, je peux m'amuser à faire des petites sauces. Tu as vu, rajouter des petits kumquats, des petits trucs. J'ai vu. On partage la passion du kumquat. Avec toutes ces étapes maintenant accomplies, passons à ma partie préférée, la dégustation. J'ai devant moi la bouillabaisse qu'on a créée avec Christian. Comme vous pouvez voir, il y a énormément d'éléments, énormément de couleurs. J'ai jamais vu un plat comme ça, ultra unique. Je vais commencer par le bouillon, après je vais essayer un peu tous les éléments. Vous l'entendez peut-être, je suis un peu enrhumé et je me dis que c'est le plat idéal pour me réchauffer les entrailles. Allons-y, la bouillabaisse du Turfu. Il sait ce qu'il fait, Christian. Christian, c'est un connaisseur. C'est délicieux, vraiment complexe. On sent tous les éléments qui ont bouilli et qui ont baissé. Il y a un goût de poisson quand même assez puissant, mais vraiment réconfortant, agréable. Je pense qu'on peut qualifier ça de umami à souhait. Essayons la petite patate avec la mixture d'algues, de sauce de poisson et de paprika fumé qu'on a mis. C'est vraiment bon ça. La patate est un peu sucrée, c'est vraiment bon. Toi, tu proposes une bouillabaisse à un prix complètement différent. Ce qui coûte cher dans les restaurants, c'est le nombre de poissons et puis des poissons un peu chers qu'ils mettent. J'ai choisi de retrouver un peu le côté faire avec ce qu'il y a, les restes de poissons. Ça reprend un peu l'idée originelle de la bouillabaisse qui était une soupe de reste. Moi, j'ai envie aussi de la rendre plus accessible, quoi. On a un petit crouton avec une sauce sur le dessus qui s'appelle la rouille. C'est une émulsion avec de l'ail noir, un peu de paprika, du piment et le crouton a été un peu trempé dans la soupe, donc ça a absorbé les saveurs de la soupe. Ça part. Oh my god, mais c'est vraiment très très bon ce que t'as fait là. C'est tellement goûteux. Il y a un goût de piment, mais pas piquant, juste le goût du piment. Bon goût d'ail aussi. Cette sauce devrait être commercialisée. Et donc toi, tu proposes des bouillabaisse à emporter à ton restaurant. On peut pas s'asseoir, c'est vraiment des commandes. Non, mais du coup, on vient au bar. Ouais, c'est bon. Coup, jouer à la belote avec un pastis. Voilà. Et une bouillabaisse. C'est le moment de goûter à la dorade royale qui a été pêchée cette nuit, ce matin, très très récemment. C'est ultra frais avec les petits kumquats sur le dessus. L'huile, à la tomate séchée, les petits oignons verts. Essayons cela. OK. Ben ça, c'est un poisson tellement bien cuit. Il est tendre. Le kumquat, ça marche tellement bien avec. Ça a explosé en bouche. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui se mélangent. C'est difficile de tout décortiquer. Mon vocabulaire poissonnier n'est pas assez développé pour vous décrire ce que je vis. C'est juste très bon. Merci énormément, Christian. Ça a été un plaisir de passer la journée avec toi. C'était délicieux. Après cette belle rencontre et cette intéressante dégustation, on a toujours la bouillabaisse à 80 euros à tester pour comparer. Vous vous en doutez sûrement, pour l'instant, je suis rassasié. On a donc décidé d'aller visiter le Vieux-Port de Marseille. Question de digérer un peu. Le Vieux-Port de Marseille est devenu au fil des siècles l'emblème de la ville et de nombreux
nombreux événements et rassemblements se passent ici tout au long de l'année, incluant le marché de poissons qu'on a visité un peu plus tôt, plutôt charmagne. Pour s'immerger de culture, on est ensuite allé au MUCEM, le musée de la civilisation et de l'Europe et de la Méditerranée. Ce coin moderne du musée a été construit en 2013 et a été relié au Fort Saint-Jean par une passerelle. Cet endroit nous permet de voir la mer d'un autre œil. C'est quand même vraiment cool. Toujours dans le MUCEM, on a aussi visité le Fort Saint-Jean. Ses fortifications impressionnantes datent du 17e siècle et malgré les années, il est conservé en excellentes conditions. En montant un peu plus haut dans le fort, on avait une vue incroyable sur le vieux port, sur la basilique Notre-Dame-de-Garde et le palais du Pharaon, un bâtiment qui a été construit en 1858 pour Napoléon III. En voyant tous ces monuments et ces bâtiments historiques, j'avais l'impression d'être comme dans une capsule temporelle et j'aime beaucoup. Avec les nombreux bateaux qu'on a pu voir naviguer proche du fort, ça nous a donné une petite idée. On a décidé de partir à l'aventure et de faire une escapade en bateau pour voir la splendeur de la ville sous un autre angle. Avec mon expérience en navigation, j'ai pris les commandes pour aller visiter les petites îles marseillaises à l'extérieur de la côte. C'était peut-être pas la meilleure idée de me laisser naviguer, mais au moins j'avais l'air badass pendant quelques secondes en vidéo. Arrivé à la côte des îles, on pouvait apercevoir l'hôpital Caroline. C'est les vestiges d'un hôpital du 19e siècle, utilisé à l'origine pour mettre en quarantaine les voyageurs pendant la peste noire. Et à notre gauche, on peut admirer le château d'If, anciennement utilisé comme prison, et c'est là où le comte de Monte Cristo a été enfermé dans le fameux livre. Personnellement, je me dis, tant qu'à être enfermé, autant être enfermé avec une belle vue. Nous voilà au magnifique Vallon des Offres. Cette expédition m'a vraiment ouvert l'appétit. Et comme promis, après avoir testé une bouillabaisse insolite qui sort un peu de la tradition, j'avais envie de voir à quoi ressemble une bouillabaisse classique. Je me suis dirigé vers le restaurant Miramar, un restaurant gastronomique qui se spécialise en bouillabaisse traditionnelle. Ce restaurant sert la vraie de vraie bouillabaisse de Marseille qui entre dans la charte officielle. Les ingrédients de la charte doivent être respectés pour que ce soit considéré comme une vraie bouillabaisse de Marseille. Wow! Voici donc, messieurs, votre bouillabaisse. Vous avez donc 6 poissons différents. Ce restaurant propose également le service traditionnel en deux temps, c'est-à-dire un plat pour le poisson, un plat pour le bouillon. Vous l'avez sans doute remarqué, c'est pas la même ambiance que bouillabaisse turfu et c'est également pas du tout le même prix. On a reçu la soupe de poisson. Maintenant, il y a plusieurs étapes à respecter. On doit prendre un croûton, le gratter avec une gousse d'ail. Toutes les arômes de la gousse d'ail vont s'infuser dans le croûton, comme ça. Après, je prends de la rouille, la petite sauce spécial, je le répands sur le croûton, comme ça, et ça s'en va dans la soupe. Je vais commencer par goûter à la soupe de poisson toute seule. Déjà, la couleur, c'est orangé, c'est vraiment vif, c'est intense. Bouillabaisse classique. Bon appétit. Réconfort total. On sent la profondeur des fruits de mer, des poissons. C'est vraiment, 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 vraiment goûteux. C'est salé. Je dirais même que c'est salin. On sent la mer dans l'assiette. Je sais pas exactement si je fais les bonnes choses. Vous pourrez me dire en commentaire, mais là, je prends le crouton qui a trempé un peu dans la soupe. Directement. Wow! Oh, la rouille! C'est intense aussi. L'ail, je l'ai bien frotté parce que c'est quasiment piquant dans ma bouche. C'est très aillé. Désolé pour mon haleine d'avance. Vous allez la sentir à travers l'écran. Quoi? Tu sens? T'as senti? En tout cas, c'est pas le genre de soupe qui manque de saveur. C'est l'heure du deuxième service, la bouillabaisse complète avec les morceaux de poisson. Oh, merci. Il y a un mini crabe. Un petit mini pouille. Il y a du homard, j'ai l'impression. Plein de poissons variés. Il y a des moules. Il y a des grosses patates. Quelques herbes. C'est un festin marin. Commençons juste avec un classique. Une petite patate au safran. Miam. Ce petit poisson-là que je sais pas c'est quoi. Miam. Wow! Ça, je sais pas c'est quoi non plus, mais ça a l'air bon. Donc, ça va dans la bouche. Miam aussi. Tous les poissons que j'ai mangés sont bien cuits. La texture est moelleuse, agréable. Ça a un bon goût de poisson. Le tout dans la même soupe qu'au début, qui est très, très riche. Je vais essayer d'identifier quelle est cette viande. C'est pas du homard. Ça a un goût de poisson. C'est bon. C'est pas le genre de plat que je mangerais souvent. Je pense que c'est pour célébrer pour une occasion spéciale. Surtout que ça coûte assez cher. Mais j'aime beaucoup l'occasion de pouvoir essayer différents poissons dans une bonne soupe. T'as littéralement la mer dans ton assiette. Et je voyage. C'est très agréable. En conclusion, la bouillabaisse de Marseille, que ce soit celle à 15€ ou 80€, était remplie de surprises et j'ai adoré faire ces belles découvertes. Est-ce que ça vaut la peine de débourser un peu plus? Personnellement, je suis mitigé. Celle à 80€ te permet de découvrir davantage d'espèces de poissons. Ça permet aussi de voir à quoi ressemble la tradition. Tandis que celle à 15€ amène un vent de fraîcheur. J'aime beaucoup la vision de Christian. Donc je pense que ça dépend vraiment de vos goûts. Les deux ont des avantages et des désavantages.
Le lendemain, pour changer les choses, on a décidé de tester des spécialités d'une toute autre culture. Le meilleur restaurant tunisien de Marseille, chez Yacine, propose des spécialités du centre de Tunis. Marseille est une ville avec une grande complexité culturelle. Il y a des communautés très variées et des influences de partout dans le monde, mais particulièrement du Maghreb. On a commandé plusieurs plats, des entrées entre autres. Voici la brique. C'est une espèce de crêpe frite avec des garnitures à l'intérieur. Ça a l'air très, très gourmand et joli. Je mets un peu de jus de citron dessus et on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Crevette œuf, c'est encore bien fumant, bien chaud. Oh, le jaune d'œuf qui coule aussi, regarde. Première brique tunisienne chez Yacine, bon appétit. Oh, oh, c'est chaud. Je m'attendais pas à ça, la crêpe est ultra mince et croustillante. Ça laisse beaucoup de place aux garnitures. Ça me fait penser un peu à une omelette. Le fond d'une omelette qui est devenue croustillante, mais au complet comme ça. C'est vraiment bon. L'œuf à l'intérieur, bien cuit, parfait comme ça. Et les petites crevettes, ça rajoute du goût. Belle découverte. J'ai commandé le plat du jour. C'est la mlouria. C'est vraiment un plat qui m'intriguait. Il s'agit d'un plat dans une sauce verte, comme vous pouvez voir, avec une couleur assez particulière. La sauce est faite avec de la poudre de corette potagère. Il y a un énorme morceau de bœuf dans le milieu. On m'a recommandé de le manger avec du pain dans la sauce, donc on va faire ça pour commencer. Ma première mlouria, ça part. Bon appétit. Wow. C'est très piquant. Ça va me déboucher les canaux nasaux. Il y a un goût vraiment de chlorophylle, de légumes puissants. On m'a dit que c'est un peu comme des épinards, mais différents. Ça vous donne un peu une idée, une poudre d'épinards concentrée, bien piquant, crémeux. C'est vraiment rempli de saveurs. J'aime ça. Un beau morceau de bœuf, un peu de viande. C'est très réconfortant. J'ai l'impression que ça va me guérir, que c'est santé, que c'est rempli de bons nutriments. C'est pour ça que j'ai pris ça et je regrette pas du tout. La mlouria, c'est très bon. En restant dans le même esprit worldwide, pour notre repas du soir, on a testé un restaurant italien, la pizzeria chez Sauveur. Cette pizzeria existe depuis 1943 et la légende raconte qu'il s'agit peut-être de la première pizzeria de Marseille. C'est une véritable institution qui a été recommandée à plusieurs reprises par le guide Routard. Ils cuisent leur pizza dans un magnifique four à bois. Comme probablement vous aussi, j'étais surpris quand on m'a dit de devoir absolument tester la pizza de Marseille, mais il y a une très bonne raison derrière tout ça. À la fin du 19e siècle, il y a eu une énorme vague d'immigration italienne à Marseille, ce qui a ramené par la même occasion une grande influence italienne dans la gastronomie, plus particulièrement de la pizza. La pizza emblématique de Marseille, c'est la moitié-moitié. Il s'agit d'une demi-pizza au fromage emmental, ainsi qu'une autre demi à la sauce tomate et aux anchois. Je vais commencer avec la moitié emmental, avec du emmental français de la Meulerie. Ça a l'air délicieux. Visuellement, la pizza est très jolie. Feu de bois, ça se voit. Quelques petits assaisonnements sur le dessus. Je pense que c'est de l'origan. Une petite olive. Bon appétit. Oh, 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 c'est vraiment bon. Pour moi, c'est vraiment nouveau de manger de l'emmental sur une pizza. Souvent, c'est de la mozzarella. Là, il y a un goût vraiment inhabituel, mais délicieux. Le fromage est bien grillé, bien doré. On sent le côté doré. C'est mince, croustillant, bonne pâte, bonne sauce tomate, bon dans la gueule. Ça, c'est la deuxième moitié avec des petits anchois, un peu d'huile d'olive et des olives également. Je pense que c'est du basilic ou une herbe fraîche. Pas de fromage sur celle-ci, juste du poisson. Je vais essayer de prendre une bouchée de côté. Oh wow! Même une pizza sans fromage peut être délectable. L'anchois est vraiment, vraiment goûteux, rempli de saveurs. Je trouve que c'est vraiment un poisson avec un goût riche de poisson, mais pas trop. C'est bien salé. Bon goût d'ail aussi sur cette moitié. L'huile d'olive est délicieuse. Même pas besoin de fromage, tellement la sauce tomate est bonne. Légère acidité, c'est juste un pur banger. Et si je mange les deux en même temps, qu'est-ce qui arrive? On se trompe jamais. Pour revenir aux sources, le lendemain, on s'est dirigé vers l'hôtel Now. Ils nous ont invités à tester des spécialités marseillaises que j'avais encore jamais testées. Je suis accompagné de Adel Dakar, chef de l'hôtel Now. Merci de me recevoir, mon cher. Merci à toi d'être venu nous voir. Également ancien candidat Top Chef. Exactement. J'ai eu la chance de faire Top Chef la saison 6 en 2015. Ça remonte maintenant déjà. Ça nous fait plus jeunes tout ça. Et j'étais la team jaune. Comme le pastis. Comme le pastis, tu vois, et comme le soleil de Marseille. La recette du jour, aujourd'hui, on vous a préparé deux petites recettes spécialités de Marseille. L'aioli, forcément, et les panisses de Marseille. Avec quoi on commence, mon cher? Quelque chose qu'on adore, surtout à l'heure de l'apéritif à Marseille, c'est les panisses. En quoi consistent les panisses? Les panisses, c'est très simple. C'est de la farine de pois chiche, de l'eau, de l'huile d'olive et un peu de sel et de poivre. Ok. C'est très très facile. Tu fais bouillir ton eau avec un peu d'huile d'olive dedans. Tu verses directement sur ta farine de pois chiche et tu mélanges. Et ensuite, bah, tu vas aller la cuire et on va aller dessécher la panisse jusqu'à qu'on voit que la pâte de la panisse commence à ne plus coller sur les parois de ta casserole. Une fois que c'est fait, on va aller la débarrasser sur une plaque, la tailler comme on le souhaite et aller la frire. La friture, ça me donne très envie. Et on trempe
l'épanisse dans l'aioli également, c'est Exactement, dans l'aioli. C'est de l'ail et de l'huile d'olive. Donc du coup, on met un peu de jus de citron pour l'acidité. C'est fait au mortier. Et là, bah, c'est du travail au mortier jusqu'à en avoir une vraie fine purée d'ail. Et petit à petit, on va aller la monter à l'huile d'olive. Alors moi, pour pas qu'elle soit trop amère, je prends une huile d'olive fruitée. Démulsifiée comme ça, avec juste la main et l'outil manuel comme ça, c'est assez impressionnant, donc respect. Ça me creuse l'appétit, j'ai très hâte d'y goûter. Allons-y. Allez, go. Merci beaucoup. Oh, c'est joli. C'est comme des énormes frites géantes. Exactement. C'est bien doré, ça a l'air croustillant. C'est le chose qu'on va mettre au milieu de la table et qu'on va aller partager. Tu t'en prends une, tu vois, en général. Panis pastis. Voilà, exactement. Dans l'aioli. Bon appétit. C'est frit, donc je sais d'avance que je vais adorer. Allons-y. C'est quand même léger. Panure légère, l'intérieur est moelleux, onctueux. Ça ressemble pas à des frites finalement. Pas du tout la même texture. Ça te plaît? J'aime beaucoup. Et l'aioli, c'est délicieux aussi. C'est bon ça, l'aioli. Hein. J'ai dit que c'est léger, mais finalement, je retire tout ce que j'ai dit. Je suis déjà. Ouais. Je commence déjà à être nourri. Exactement. Hein. La farine de pois chiche, c'est quand même assez dense quand même. On peut voir à l'intérieur un peu la texture, à quoi ça ressemble. Ça me fait un peu penser à un hybride entre une omelette et du tofu. Genre, il y a quelque chose, texture homogène, légère. Et à l'intérieur, moi aussi, ça me fait aspect un peu limite omelette flan, tu vois. Je trouve ça délicieux, c'est une belle découverte. Et après, faut pas trop abuser des panisses, hein, sinon tu vas finir comme moi, par contre. Hein. T'es beau. T'es gentil. Les panisses, c'est validé. Panis pastis, mon chum. Santé. À la tienne. Mais ce n'est pas fini, on s'est ouvert l'appétit. C'est l'heure de tester une autre spécialité. Je vois l'assiette, c'est gargantuesque. Wow. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau. Tu nous as créé une œuvre d'art. Donc du coup, voilà, l'aioli décrit en trois phases. Le poisson qui est bouilli. Moi, j'ai choisi du loup de mer parce qu'on est là, on est à 12 mètres de la Méditerranée. Donc c'est un poisson qui vient d'ici. On l'a cuit en vapeur de coquillage avec les palourdes, quelques aromates, citron et poivre. Les légumes, cuits à l'anglaise, à l'eau à l'ancienne. Pommes de terre, brocoletti, artichaut, carottes, chou-fleur. Le plus important, comme on dit quand on fait un aioli, c'est de faire avec des légumes de saison. Donc si c'est pas la saison des haricots verts, faites comme moi, j'ai pris des brocoletti. Le tout recouvert de poutard grappé. C'est le genre de plat qu'on pourrait très bien partager hein, en famille. Et la sauce aioli dans le mortier après, à côté. Tu sais comment on sait quand un aioli, il est bien monté et bien ferme? Comment on sait? Si ton pilon, il tient droit comme ça, c'est que ton aioli, elle est bien bien montée. Le pilon est ferme. L'aioli se sert toujours avec un bon verre de vin blanc. Ah. Et là, je vais te faire découvrir un top vin. C'est le château de Beaupré. Mille merci. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. Buvez avec modération. C'est qui, modération? C'est toi. C'est moi, modération. C'est toi. Bienvenue à Marseille, en tout cas. Merci pour l'accueil, c'est incroyable. Est-ce que tu crois que tu peux dire « Allez l'OM » ? Allez l'OM. Voilà, et normalement, à Marseille, on fait ça. Voilà. Allez l'OM, Jules, le CH, Sosomanes, le sang de la veine. C'est délicieux. Tu vois, tu connais. Très bon vin. Mais oui, je connais. C'est beau, ça. Ben voilà, il n'y a plus qu'à le goûter, maintenant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle la bouchée parfaite, tu vois. Donc, c'est aller chercher un petit peu de poisson, un petit légume, tu vois. Et là, tu peux aller prendre un peu de ta sauce aioli, comme ça. Ça veut tout dire, cette expression faciale. Ça se passe de commentaires. Je prends un peu de patate, je prends une petite palourde, un morceau de poisson dans l'aioli. Voilà. Généreusement, regarde-moi cette bouchée. On a la Méditerranée sur la fourchette. Mes aioli. À partir du moment où c'est aioli, tu dis ce que tu veux après. OK. Bon appétit. C'est délicieux. Ça te plaît? Le poisson est tellement tendre. La cuisson est parfaite. Et on sait très bien que du poisson trop cuit, c'est très commun. Là, tu l'as parfaitement fait. Et les palourdes aussi, c'est trop bon. L'aioli, bon goût d'ail, ultra puissant. C'est spécial parce que c'est comme de la nourriture santé. C'est sain, c'est léger. Mais tu trempes le tout dans une énorme sauce bien grasse et huileuse. Il y a un contraste, mais qui est agréable. T'as tout dit. J'adore. Ouais. Mais l'important de ce plat, c'est un plat de partage, c'est un plat très populaire. C'est un plat qu'on mangeait à l'époque en famille. Et je tiens à dire que c'est un des meilleurs poissons que j'ai mangé. Ah, c'est gentil. L'aioli, c'est également validé. Et je suis probablement dans les meilleures conditions de tous les temps pour le déguster. Merci beaucoup. Santé. À la tienne. Vous me connaissez, j'ai la dent sucrée. Alors quoi de mieux que de finir ce repas par un bon dessert typique de Marseille? On va tester les chichis frigis de chez Lou Gustado à l'Estac. Le gentil monsieur qui me les a offerts a dit que c'est un peu comme des queues de castor chez nous au Québec, mais version marseillaise. On m'en a beaucoup parlé. C'est des espèces de beignets frits gigantesques, comme vous pouvez voir. J'ai deux variétés ici, le régulier avec sucre et également celui au Nutella. Voyons voir à quoi ça ressemble plus en détail. Regarde-moi ça, comme c'est énorme. Mon premier chichi frigi à Marseille. Bon appétit. Oh!
OK. C'est vraiment consistant. Regarde dans le milieu, on peut voir un peu à quoi ressemble la texture. C'est léger, mais c'est pas vide. Ça a la texture d'un pain fraîchement préparé, moelleux, avec un extérieur croustillant, rempli de sucre. C'est vrai que ça ressemble un peu à des queues de castor, mais je pense que je préfère un peu ça. Oh oh oh! Par contre, manger ça au complet, bonne chance. On y va avec Nutella. Celui-ci est fourré d'un liquide brunâtre liquide appelé Nutella. Ça va être encore plus gourmand. Mmh. J'ai la gueule remplie de sucre. Zoom sur mes lèvres, sucré au sucre. Je suis sucré, le gros. Oh! C'est vraiment comme la première version, mais encore plus sucré, encore plus satisfaisant. Les chichis, c'est validé, en plus d'avoir un nom très, très cute. Je suis déjà dans l'avion pour le vol du retour. Je me suis bien régalé. J'en profite pour remercier l'Office du tourisme de Marseille pour m'avoir permis de découvrir cette magnifique ville et cette belle culture. Et merci également à Air Transat qui m'ont permis de voyager de Montréal jusqu'à Marseille grâce au nouveau vol direct. Profitez-en, découvrez cette ville. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Le sang de la veine.